d'un séjour, d'une croisière, d'un circuit, d'une escapade de quelques jours? Seul, en famille ou en groupe, notre spécialité, le voyage sur mesure. Notre seul objectif, le voyage de vos envies. Objectif Voyage, 6 rue Georgin, place du Marché Couvert, Épinal Centre-Ville. Memphis Coffee, restaurant américain traditionnel. Service en continu. Coffee Drink. Plat servi à table. Memphis Coffee, 48, route de Jeuxey à Épinal. Moi, je pense que c'était sur le collectif, sur le dernier set. Parce que j'ai eu du mal à se mettre dedans les deux premiers sets. Et puis voilà, on a réussi à imposer notre jeu alors qu'on va dire, on se mettait au niveau au début. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé d'Épinal? Elles ont des bonnes attaquantes. Enfin, en tout cas, aux 10 minutes, là, on a 2-3 qui nous ont fait pas mal peur. Et on va dire qu'on a réussi à adapter notre contre en fonction de leur jeu et puis à bloquer leur jeu avec ça. Voilà. Bon, réception, attaque, bloc, tout a bien fonctionné chez vous. Ouais, on est plutôt satisfaite, c'est le premier match qu'on gagne en 3-0, donc c'est une bonne chose. Voilà. Au service aussi, hein, vous avez des bonnes serveuses qui font la diff. Ouais, bah là, les entraînements ont payé, donc c'est bien. C'est bien qu'on arrive à ça. Qu'est-ce que vous pouvez prétendre cette saison? Le top 5, on aimerait. Ouais, le top 5. Déjà le maintien, c'est sûr, mais le top 5, après cette année, c'est vrai qu'on a une équipe qui a beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Et donc pour l'instant, bah, c'est bien, c'est bien qu'on arrive enfin à gagner un match 3-0. Donc on attend la suite maintenant. Alors justement, c'est quoi la suite? Vous allez où? On va à Ousbergen la semaine prochaine. Enfin, à Célestat, mais on reçoit Ousbergen. Donc voilà.
C'est une équipe classée quoi ça? Parce que c'est vrai que c'est très homogène dans, voilà, dans très le bas de tableau, c'est ça, c'est très serré. Je crois qu'on est 5 ou 6 à avoir exactement le même score. Donc bah là, avec la journée d'aujourd'hui, ça va commencer à se départager. Et on verra pour la, à partir de la semaine prochaine ce que ça donne.